Morgan, allez, Iden, et si ce aujourd'hui le lundi matin, vraiment, de Chaim Benitzrek Zephani. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Evan Perek Bet Mishnah Yud, Achacham, Shehasar et Aisha, Ben Neder, Al Ba'ala. Areze lo Isaena, Me Ana, O Shechatza Befanav, Isaena, Mipene Shevo Bet Din. Vechulan Shayulaim Nashim, Vametu Mutarot Linaselahem. Vechulan Shenisula Acherim, Venit Garshu, O Shenit Almenu. Mutarot l'inassé l'aïm. Et koulan mutarot l'ivnehen ou l'achéhen. On conclut le sujet maintenant ouvert depuis 3 Mishnayot en arrière, à savoir les gens qui sont suspectés de vouloir, qui cherchent, ils louchent sur une femme pour se marier avec elle. Ça peut être soit parce qu'en fait, ils sont soupçonnés d'avoir fait des avérotes, ça c'est dans la première Mishnayot, avec la servante qui va les virer, ou la femme mariée qui est soupçonnée d'avoir eu un rapport avec elle, et que maintenant la femme elle se divorce, qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec elle. On avait vu ensuite, dans la Mishnah précédente, des cas de, cette fois-ci, quelqu'un qui nous raconte, qui rapporte un guet à une femme, il n'a pas le droit de se marier avec elle, de peur qu'en fait c'est un guet falsifié, parce qu'en fait il a envie de se marier avec elle. Ou encore le cas où il y a une ottomanie qui l'a lui-même tué. D'accord, il y avait plusieurs cas. Il y avait, maintenant on découvre encore un autre cas. Un chacham chassaret aïcha ben neder al ba'ala. Un chacham qui a interdit une femme à cause d'un neder sur son mari, a réalisé lo isa'en. Il ne pourra plus se marier avec elle. Et on explique de quoi ça parle, c'est simple. Lorsqu'on fait un neder, on a la possibilité d'annuler le vœu. Il y a deux manières d'annuler le vœu. Soit on va voir le chacham, soit on fait un bet din. Pour le moment, on parle du cas où on est parti chez un chacham. Ça suffit d'aller voir un seul chacham, même une personne. Je vais et je lui dis, ben écoute, moi j'ai dit ce neder que j'allais plus manger de la viande. Et finalement, je réalise qu'après coup, que j'ai un peu trop forcé, j'avais pas pris en considération que des fois, je me trouve dans des situations où c'est pas possible de tenir le coup, parce que je suis obligé de manger de la viande quand je vais chez ma belle-mère qui me force à manger, sinon on me fait la tête. Ouais. Donc maintenant, j'ai fait un pétard la neder. J'ai trouvé une ouverture à mon neder, et Chacham, il va analyser ça, et il va, selon le cas, il va décider de déraciner le neder, il va dire « Ah, puisque tu as prononcé le neder sans avoir considéré tous les aspects du problème, alors ton neder n'est plus un neder, et moutarlach plutôt il dit, il devient permis, il annule le neder. » Ça c'est la force du chacham, on peut le faire aussi avec un beddin, ça c'est la tarat nedarim en général. Maintenant, là on parle d'un cas qui a une femme qui a fait un neder, que son mari ne profitera plus d'elle. Par exemple, elle a dit « Je fais le neder, on n'a plus de rapport ensemble. » Maintenant, le mari, il a entendu ça, et il n'a pas annulé, peu importe, il y a eu quelque chose de pas net. Ils ont eu besoin de partir voir maintenant le chacham, pour qu'il va annuler le neder. Ouais, le mari, il a le droit d'annuler, mais il est limité dans le temps, il a, dans certaines conditions, c'est ça. Donc, il n'a pas réussi à annuler, il n'a pas annulé le neder comme il faut. Ils vont ensuite demander au chacham que le chacham va trouver un pétard au neder, en lui disant que c'était dans un coup de colère, mais qu'elle n'était pas sérieuse, trouver une ouverture. Si le chacham, lui, il a bien analysé le cas. Il sait tirer la barbe pendant 10 minutes, en trop long, il regarde à la fin, il dit, aucun moyen d'annuler ce neder, il est trop fort. Ah, donc maintenant, ils vont devoir divorcer. La Mishnah m'enseigne qu'un chacham qui a interdit cette femme à cause d'un neder, qu'il a forcé son mari à divorcer en fait, parce que maintenant ils peuvent plus continuer à vivre ensemble. Et bien dans ce cas-là, Arezé Loïsana, le chacham n'aura plus le droit de se marier avec la femme. Parce qu'on va le soupçonner que même s'il est très chacham et qu'il a une belle barbe qui caresse pendant 10 minutes, peut-être que finalement, il a lui aussi louché sur elle et qu'il a envie de la forcer un petit peu à divorcer, comme ça il pourra se marier avec elle. Donc, si tu as dit que la femme, elle doit divorcer, tu n'auras plus le droit de te marier avec elle. Ok? Autre sujet maintenant, mais Anna, si elle a fait le mi-oun, vous vous rappelez que on avait expliqué c'est quoi le mi-oun? C'était on en reparlera très longuement plus tard, il y aura un père entier sur ça, sur les kidushei ktana. Il y a très succinctement une femme qui... une enfant, une fille, que son mari, son père l'a marié une première fois. Son père est décédé, tout simplement. Ouais, pas compliqué. Son père est décédé, donc, selon la Torah, elle n'a plus de possibilité de se marier. Pour le moment, jusqu'à qu'elle va devenir jeune fille. Qu'elle va atteindre 12 ans, 12 ans et demi. 12 ans. Maintenant, tant qu'elle est petite, donc elle ne peut plus se marier. Malgré tout, comme ils ont décrété que les frères et la mère peuvent décider, avec son commun accord, de la marier malgré tout à quelqu'un. Pour son bien, pour qu'elle soit mieux protégée, pour qu'elle soit mieux entretenue. On peut la marier à quelqu'un. Maintenant, elle va se marier avec quelqu'un. Tant qu'elle est petite, elle a le droit, si elle veut, de refuser ce mariage. C'est-à-dire, elle va se marier, elle va vivre 2 mois, 3 mois avec lui, 1 an même. Après, elle va devant le Bedin, elle va dire, je ne peux plus supporter
Je regrette, je suis méma et net, je refuse. Je regrette ce mariage que j'ai fait avec lui. Et le Bedin va lui dire, tu es permise. D'accord? Ça s'appelle le mi'oun. Elle était méma et net, elle a refusé. Ou encore, au Chechalza de Fanam, on parle, ça fait d'une Yevama qui a fait la Khalitza devant un Dayan. Dans tous ces cas de figure, dans ces deux cas de figure, du mi'oun ou de la Khalitza, Issaena, ben le Chacham, il pourra se marier. Pourquoi? Mipnei Shu Bedin. Parce qu'il fait partie d'un Bedin. C'est-à-dire, je m'explique. Le principe général qu'on écoute dans notre Mishnah, elle est qu'un Chacham, qu'on a eu besoin de son accord, de son aval, pour permettre une femme, il n'aura plus le droit de se marier avec elle, de peur qu'on va le soupçonner d'avoir fait les choses un petit peu à la légère, ou d'avoir un petit peu trop forcé le divorce, pour ensuite se marier avec la femme elle-même. Ça, c'est vrai quand le Chacham, il doit décider tout seul. Mais si toutefois il doit permettre à cette femme, par l'intermédiaire d'un beddin, il doit s'asseoir au tribunal, mais avec encore deux autres personnes. Alors dans ce cas-là, on ne va pas le soupçonner d'avoir un peu trop forcé le mioun, ou d'avoir forcé la khalitza, hein, parce qu'en fait, il louchait sur la femme pour se marier. Parce que si toi, supposons que toi, tu es un peu, malgré ta belle redingote, en réalité, tu n'es pas tellement clair, tu as des idées un petit peu confuses, malgré tout, tu as deux personnes qui sont avec toi, eux, on ne le soupçonne pas d'avoir été des escrocs, eux, ils ont bien fait des choses, donc puisqu'il faut un bedin pour faire des choses, on ne va pas te soupçonner que tu as forcé le divorce pour te marier avec elle. Ok? Ensuite, la Mishnah, maintenant, elle revient sur quasiment tous les cas, à l'exception du cas de la femme qui était soupçonnée d'adultère. Les koulans, dans tous les cas de figure, que je t'ai dit que tu n'as pas le droit de te marier avec une femme, parce que tu as porté son guet de Medinat Hayam, parce que tu as témoigné qu'elle est morte, parce que tu as t'es un chacham qui a vu, comme le cas de notre Mishnah, t'es un chacham que tu n'as pas trouvé de moyen d'annuler le neder, tu les as forcés à divorcer. Dans tous ces cas de figure, malgré tout, Shayulaem Nashim, si toutefois le chacham ou le témoin, ou le ouais, il avait une femme, il vivait bien sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, trois mois après, va Metou, et cette femme, elle est morte. Eh bien, Moutarot et Nassanem, ils ont le droit de se marier avec une femme. Je reprends le cas. C'est très simple. Je viens, je témoigne. Pas moi. Réhouven, il vient, il témoigne que, il était en Amérique, il a vu le mari de cette femme décédée. Il est mort. Cette femme, on va lui dire, bah, tu as le droit de te marier avec qui tu veux, sauf avec Réhouven. Parce qu'on a peur que Réhouven, en réalité, il a menti. Donc, pour qu'il puisse assurer sa parole, alors il n'aura pas le droit, lui, de se marier avec elle. C'est toutefois Rowan qu'on est revenu, il avait sa femme, il vivait très heureux, il s'entendait très bien avec elle. Et du jour au lendemain, il est parti. Maintenant, il se retrouve veuf, il patiente. Le mois du deuil, quatrième mois, il dit, bon, je vais me marier maintenant avec quelqu'un d'autre. Il dit, bah ça, voilà, cette femme, elle était permise grâce à moi. On lui propose un chidour, il va aller se marier avec elle. Il a le droit de se marier avec elle. On ne va pas le soupçonner, étant donné qu'il y a eu des changements de conditions qui vont faire que maintenant, tout le monde, quand on va voir cette situation, on va tous comprendre pourquoi il cherche à se marier avec elle. C'est pas que depuis le début, il pensait à elle, il pensait pas tuer sa femme, bien évidemment. Mais quoi, il s'est dit, d'un coup, il y a eu un changement des données, et il a finalement envie de se marier avec elle. On va pas le soupçonner d'avoir menti il y a 4 mois en arrière, parce qu'il voulait se marier avec elle. Ok? Moutarot et Inès à la maison, elles ont le droit de se marier avec lui. Aussi, même principe, Vekulan, et dans tous les cas de figure aussi qu'on a évoqué, Chenis Oula Kherim, même, ça revient même aussi sur le cas de la Guillorette aussi, la Goya, qui s'était convertie, il a été soupçonné d'avoir des rapports avec la Goya. La Goya, elle s'est convertie. Ok, même sur ça, ça se rapporte aussi que si de toi, donc il avait une femme qui est décédée, après le roi se marie avec la Goya. Mais même aussi, encore mieux que ça, mais qu'on a Génie Solachim, dans tous les cas de figure, les femmes, une fois qu'on les a permises de se marier, elles sont parties se marier réellement avec quelqu'un d'autre. Et après, Vénit Garchou, oh, Génie Talmenou, après, elles ont divorcé, ou elles sont devenues veuves. Notamment, donc, la Goya, elle s'est convertie. Ouh, ouais, après, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Après, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Le mari décède, le mari la divorce. Elle est maintenant libre. Le premier, il a le droit de se marier avec elle. Ok, on ne va pas les soupçonner. Tout ça, à l'exception du cas de Eshet Ish. Ouais. Donc, Shahid, Ayet Shemen Vahana. C'est précisé, je ne sais plus où, mais en tout cas, c'était précisé. Que tous ces cas de figure, puisqu'elles sont parties se marier avec quelqu'un d'autre, on ne va pas les soupçonner qu'en réalité, ils ont pris en considération qu'ils voulaient en fait se marier avec elle. Mais qui s'est dit, bon, je vais l'attendre au deuxième tour. D'abord, elle va partir faire un tour avec quelqu'un d'autre, elle va se marier pendant un an, après le... Non, c'est sûr qu'il n'avait pas d'intention pareille, donc il a le droit de se marier avec elle. D'accord, je reprends dans les mots, Vekolan, Chenisou, la Kherim, dans tous ces cas de figure, qui ont été mariés avec des étrangers. Et ensuite, Vénin Garchou, après, ils ont divorcé avec Oshin Talmenou, ils sont devenus veuves. Eh bien, Moutarot, Leïna Selaem,
elles ont le droit finalement de repartir se marier avec le premier qui les a permis. Ensuite, Vekulan mutarot livnehen ole achen. Et dans tous ces cas de figure, où, on va prendre le cas où moi je viens, je témoigne que cette femme, son mari, il est mort à l'étranger. Eh bien, dans ce cas-là, cette femme, elle aura le droit de se marier livnehem ole acherem, elle aura le droit de se marier avec mon fils ou avec mon frère. Pour exclure quoi? De manière générale, je jette l'idée en général. Quelqu'un qui est soupçonné d'avoir, c'est quelque chose qui existe, quelqu'un qui est soupçonné d'avoir des rapports interdits avec quelqu'un d'autre, alors on va veiller à ce que cette personne-là, imaginez, Rouven, il est soupçonné d'avoir des rapports avec une certaine femme, Rachel. Dans certains cas de figure, on va interdire à Rachel de se marier avec son fils ou de se marier avec son frère. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, on va les soupçonner qu'en réalité, Rachel, elle a envie d'être à proximité de Rouven. Parce qu'elle est mariée avec son fils, comme ça de temps en temps le fils il n'est pas là et le père il vient, il fait quelque chose. Ou bien avec le frère. Ça c'est en général. Ça existe dans certains cas de figure, mais en l'occurrence la Mishnah vient de dire, toutefois, cette fois-ci on ne va pas jusque-là soupçonner qu'en réalité, moi je suis venu, j'ai voulu permettre cette femme pour qu'elle se marie avec mon fils, pour qu'après moi en cachette je peux... Oh, du... faut se calmer, quoi. D'accord? Il n'y a pas ici, il n'y a pas de quoi craindre tellement, hein, que les gens ils sont tellement vicieux et malicieux. Là c'est bon, elle pourra se marier avec eux. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.